Bonjour à vous et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui à mes côtés, François Fréchette. Salut François. Salut mon cher Simon. Là, on est dans une série où est-ce qu'on parle du coronavirus et Dieu. Bref, comment Dieu est pertinent dans cette situation-là, dans cette crise-là qui nous affecte tout le monde, pas juste au Québec, on le sait, partout dans le monde. Et on va beaucoup parler de tremplin ici, du coronavirus et Christ, de John Piper. Il a écrit un livre que justement qu'on veut utiliser. Puis les grands thèmes du livre, on les aborde. On n'est pas en train de répéter tout ce qu'il dit. Donc, si les gens se le procurent, bien, ils vont avoir beaucoup plus que qu'est-ce qu'on dit. On fait juste l'utiliser comme tremplin ici. La base de notre réflexion, en fait. Exactement, exactement. Et une de ces réflexions-là, c'est souvent, on va entretenir une idée sentimentale de Dieu, qui nous joue beaucoup de tours, qui ne nous amène pas souvent au pied de Dieu. Oui. Parce que le Dieu de la Bible, il a des caractéristiques, comme toi et moi, on a des caractéristiques, des choses qui nous appartiennent en propre. Ouais. Puis, une des premières choses, Simon, que les gens questionnent quand il arrive des malheurs comme des épidémies qu'on vit, comme l'épidémie qu'on vit maintenant, c'est de questionner la justice de Dieu. Mais moi, je pense que avant, d'ailleurs, John Piper le propose, avant de questionner la justice de Dieu, ça serait peut-être intéressant de savoir c'est quoi la justice de Dieu par rapport à nous. Tu sais, ma définition de justice est peut-être différente de la tienne, mais entre nous, elle est probablement aussi différente de celle de Dieu. Oui, bien, on a juste à comparer un peu les gens de notre arrière-plan, même les générations, deux personnes qui vivent dans la même maison de différentes générations vont avoir un sens de justice complètement différent. Fait. Donc, il y a une chose qui est importante à mentionner, c'est que chaque être humain a un sens de justice. Tout à fait. Puis ça, c'est inné parce que Dieu, on est fait à l'image de Dieu, puis il y a un sens de justice en chaque être humain. Il est large, là, OK? Mais on a quand même un sens de justice. Donc, lorsqu'on voit une injustice, tout être humain reçoit, on parle de outré ou au moins inconfortable lorsqu'il y a un sens d'injustice, il se passe quelque chose. Comme tu l'as dit, c'est parce que Dieu aussi. Donc, nous, on est tous différents, mais on a tous un système de valeurs. On s'est fait des propres lois. Que ce soit au niveau canadien, québécois, au niveau mondial, nous avons des lois. Et lorsqu'il y a une injustice par rapport à ces lois-là, c'est là qu'on est un petit peu ça. Et au niveau personnel, on a aussi nos lois, nos systèmes de valeurs familiales. Donc, on arrive avec nos valises bien pleines de lois qu'on s'est créées. Et lorsqu'il y a des gens qui transgressent ces lois-là, j'utilise ici un mot judiciaire, bien, on est inconfortable. Il faut remonter, comme tu dis, à notre Créateur. Notre Créateur, lui, bien souvent, on va faire comme, dans mon système de valeurs, il y a la paix sur la terre et tout le monde a accès à la bonté, à la santé et à tout ça. À peu près tous les êtres humains sur la Terre, c'est ce qu'ils veulent. Donc, quand ça n'arrive pas, bien, ils surveillent d'abord, puis ils font, bien là, il faut remonter à celui qui transgresse ma loi. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis quand on compare même les différents pays, la façon qu'ils conçoivent les choses, des fois, tu dis, bien, voyons donc, ils n'ont pas de bon sens. Puis eux autres, ils doivent dire, ils n'ont pas de bon sens. Alors, c'est Dieu que ce critère de justice-là. Moi, j'ai une petite anecdote quand j'étais tout petit. Écoute, je ne sais pas quel âge j'avais parce que je me rappelle très vaguement, mais moi, je suis le dernier de la famille chez nous. Tu sais, j'étais le petit gâté un petit peu, là, tu sais, entre nous, là, tu sais, on ne le dit pas à personne. Puis, souvent, quand mon papa m'amenait à me faire une commission, puis à un moment donné, je me rappelle, je voulais quelque chose. J'ai aucune idée c'était quoi le magasin, puis qu'est-ce que je voulais. Probablement un petit auto, c'était mon dada. Mm-hmm. Puis là, mon père, il n'a pas voulu que j'achète et m'acheter ce que je voulais. Puis j'avais fait une petite crisette, là. Tu sais, j'avais pleuré fort. Comme on l'a déjà vu d'autres personnes faire. Oui, c'est ça. Tu sais, puis je pense que mon père, il avait un peu honte. Mais il y a une dame qui ne s'est pas mêlée de ses affaires, puis qui a dit à mon père, « Pourquoi, monsieur, vous y achetez pas? » Puis là, moi, je me rappelle pas la réponse de mon père. Mais l'idée principale, c'était, lui, il avait raison. Mon père, là, est en train de m'élever. Et il n'était pas méchant de refuser ce que je lui demandais. Mais c'est parce que là, probablement, le jupon avait dépassé dans un autre événement précédent. Mm-hmm. Et puis mon père m'avait averti avant de rentrer dans le magasin qu'il m'achèterait rien parce que, tu sais, il voulait être conséquent. Fait que mon père n'était pas méchant. Puis là, souvent, nous, on va interpréter la façon d'agir de Dieu comme
comme étant, ben voyons donc, il est injuste, ceci est amour, tout ça. T'sais, on va questionner la justice de Dieu lorsque finalement, est-ce qu'on peut laisser Dieu être Dieu? J'aime pas ça dire ça parce que, tu sais, qui suis-je? Mais en quelque part, j'ai comme l'impression que, ah ben là, regarde Dieu, là, si t'es Dieu, là, tu devrais pas agir demain, mais écoute-moi une fois un sondage à télévision, hein, je fais des sondages avec l'autre émission, puis le gars, il dit, écoute, Dieu, là, il y a des comptes à nous rendre, hey! Je frémissais. J'aime l'idée, on peut-tu laisser Dieu être Dieu? On s'entend, nous, là, on a eu une date de départ, puis on va avoir une date de départ. Et si c'est volontaire, on est né, puis on va mourir. Ouais. Dieu, avant qu'il y ait quelconque matière, était là et était présent de toute éternité. Donc, de toute éternité, là, je dis des mots qui sont dans la parole de Dieu. De toute éternité, Dieu a existé. Il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Ça veut dire qu'il n'est aucunement lié par quelconque chose qui découle de lui. C'est lui la cause à tous les faits. Mais tu n'avais pas inversé un peu... Oui, justement. Tu n'oses pas le lire. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le psaume 7, au verset 12, ça nous dit que Dieu est le juste juge. De lui sort tout. Donc, c'est lui qui établit la justice. Ouais. Nous, on établit les lois et notre justice, et ce qu'on regarde puis ce qu'on trouve correct et pas correct, avec le peu d'informations qu'on a. Lui, avant qu'il y ait une création, c'est lui qui a déterminé ce qui était juste. Donc, dans sa perfection, dans tous ses attributs et tout ça, il était vêtu du manteau de sa perfection. Et puis, une de ces choses ici, c'est la justice. Donc, la justice parfaite qui n'est pas altérée par rien de l'extérieur, c'est lui qui l'a produit. Donc, toutes les lois qui découlent de lui sont justes. Maintenant, nous... Ça fait pas notre affaire. Papa, je la veux, la petite auto, mais je la veux. Je comprends. Puis l'autre madame, elle dit, oui, tu as raison. Ton fils, là, tu faisais donc pitié. Que tu devais donc faire pitié. Mais Simon, moi, je trouve qu'on est très, très mal placé, qui que nous soyons, comme être humain, pour questionner la justice de Dieu. Moi, je pense qu'il faut se soumettre. On est des créatures. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Nous, on est limités. Alors, humblement, pourquoi ne pas dire, écoute, Seigneur, j'avoue, je comprends pas, mais j'accepte le fait que tu es Dieu, puis que tu es juste. Ta parole le déclare tellement souvent. Comprends-tu? Ça, c'est le point. Et de penser, d'arrêter de dire, je vais arrêter de nourrir cette pensée sentimentale-là de Dieu. C'est ça. Dieu est le juste juge. Mes chers amis, nous marchons sur son sol. Nous respirons son air. Quand on pourra créer notre propre sol, puis on pourra créer notre propre air, là, on décidera. Mais tant et aussi longtemps qu'on vit dans son monde à lui, qu'il a créé, alors c'est lui le juste juge. Amen. Avant de lever notre voix à lui et de blasphémer, on devrait se garder une petite gêne puis dire, comme François Nel disait, je comprends pas, mais Dieu t'a pas changé. Restez avec nous après la pause, on va développer sur la sainteté de Dieu. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on a parlé de la justice. Bon, en fait, on a couvert, on a survolé, on a jeté une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est tout. Mais l'idée ici, c'est de ne pas avoir une idée sentimentale de Dieu, de ne pas se laisser aller par nos émotions, de dire, eh bien, moi, j'aimerais ça que Dieu soit comme moi, j'aimerais qu'il soit. Et ça, la Bible appelle ça de l'idolâtrie, de dire, moi, je pense que Dieu devrait être comme ça ou Dieu ne devrait pas faire ça. Et une des choses, c'est de revenir à ce que Dieu nous révèle. Dieu nous dit qu'il est le juste juge et qu'il nous révèle que sa justice, elle est adéquate parce que c'est Dieu. Ça nous parle aussi que Dieu est saint. À plusieurs endroits, ça nous parle de saint, sanctifié, sainteté. Il y a tout un bon nombre de noms qui sont dérivés du fait que Dieu est saint. Peux-tu nous expliquer, François, ça veut dire quoi être saint?
Bien, ça veut dire plusieurs affaires. Ça veut dire être parfait, mais ça veut dire d'être aussi à part. Dieu, j'allais dire, est dans une catégorie à part, et lorsqu'il nous appelle à devenir saints, ce n'est pas des gens qui ont été béatifiés, ce sont des gens que Dieu a pris, puis il a mis à part. Un peu, par exemple, comme des ustensiles, peut-être un set d'ustensiles et de vaisselle qu'on a stand-by pour quand on fait des belles soirées, mm-hmm. un beau souper. Ou moi, quand j'étais petit, à l'époque, les aires ouvertes, c'était pas très commun dans les maisons. Et puis nous, on avait un salon, mais pendant, je sais pas, 25-30 ans, on n'a jamais usé le divan parce qu'on n'allait pas là. On allait là, mettons, au jour de l'an, à Pâques, lorsqu'on recevait des invités. Le curé de la paroisse, quand il faisait sa visite, c'était là qu'il était accueilli. On sent dimanche, puis on va s'asseoir. Ah oui, on allait là en veston, généralement, j'imagine. Là, j'ai, ma mémoire est un peu limitée. Mais c'était une pièce à part. Mm-hmm. Et puis, je trouve que c'est une image, ça, de Dieu qui est à part. Et puis, nous, on est appelés à être à part. Et sanctifié, ça veut dire donc mise à part, mis de côté pour un service particulier. Alors ça, c'est ustensiles, set de vaisselle ou salon, c'est juste des images, l'idée qu'on est à part, que Dieu veut qu'on soit à part, puis que lui est aussi à part. Et puis il y a une histoire dans l'Ancien Testament où Moïse avait reçu l'ordre à un moment donné de frapper le rocher dans le désert pour que de l'eau sorte. C'est un miracle, mais Dieu avait dit à Moïse d'intervenir avec un bâton pour frapper le rocher. Et à un moment donné, Dieu, un peu plus tard, le peuple est assez rebelle, puis Moïse, ça a l'air que oui aussi. Alors, Dieu, il dit à nouveau à Moïse, dans Nombre, chapitre 20, de parler au rocher cette fois-là, pas de le frapper. Alors, lui, Moïse, il était littéralement à bout. Ils l'ont poussé à bout. OK? Ouais. Puis là, il a frappé le rocher plutôt que lui parler. Je vais vous en donner de l'eau, moi. C'est ça. Puis il était, c'est ça. Alors là, l'eau est sortie. Le peuple, le bétail ont bu, mais Moïse a eu un petit meeting avec Dieu, puis il dit, t'as pas sanctifié mon nom. T'as été rebelle, puis t'as pas sanctifié mon nom aux yeux du monde qui nous entoure. Autrement dit, Dieu, là, il veut pas qu'on soit... Tu sais, c'est pas... Excuse-moi, là, mais c'est pas le gars d'en haut, là. Dieu, c'est... Je prends la parole ici, François. Dans Jean 17... Alors que Jésus... Ça, c'est à la fin du dernier repas. Jésus a enseigné et tout ça. Et après le repas, il prie son Père. Mm. Et puis, de la façon qu'il s'adresse à son Père dans Jean 17, on le trouve ça au verset 11, il l'appelle Père Saint. Et c'est la première fois que Jean utilise l'expression Père Saint. Jésus... Donc, pour Jésus, c'était clair. Dieu est à part. Dieu est dans une autre classe. Et ici, tout au fil du chapitre, c'est vraiment clair que tu as le monde dans lequel Jésus était, dans lequel ses disciples étaient, et tu as la sphère de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, si on pourrait dire, où est-ce que Dieu est. Dieu est complètement à part. Et je vais lire ici, j'aimerais qu'on puisse tourner. Ici, au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Verset 13, « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. » Regardez au verset 15, « Je te prie de les ôter du monde. » Je te prie de ne pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ici, il y a une sphère qui est le monde, la sphère créée, la sphère aussi qui est déchue. Adam et Ève ont péché, et ça, ils ont été déchus. Donc, il y a une façon de vivre ici, une façon de penser. Comme on a dit dès le début, on a nos propres lois, on a nos propres idéaux, nos propres valeurs, nos propres si. Et il y a Dieu. Jésus reconnaît qu'il y a une autre sphère. Il y a celle de Dieu. Père, tu es saint, tu es différent. Ici, dans ce monde-là, le monde qu'on vit, le monde ici, bien, bien souvent, on est centré sur nous, puis on vit pour avoir une vie confortable, une vie sécuritaire, et qui n'est pas nécessairement mal. Mais dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout est là pour sa gloire. Donc, Dieu, lui, est activement engagé à ce que sa gloire soit manifestée. Nous, ici, nous sommes activement engagés à être bien. Peu importe ce que c'est bien pour les gens. Donc, le mot d'être sanctifié, d'être saint, l'idée que Dieu est saint, c'est que nos pensées sont quelque chose, les pensées de Dieu sont autre chose. C'est ça. Nos buts sont quelque chose, les buts de Dieu sont autre chose. Jésus le reconnaissait partout dans les Écritures, on voit que Dieu est à part. Et si la recommandation, pas la recommandation, là,
la tape ses doigts que donnait à Moïse, c'est un petit peu, là. T'as oublié un instant qui j'étais, que moi, je suis pas dans votre gang. Mm. Je suis pas comme vous, je pense pas comme vous, mes buts sont différents. Moi, je suis là pour ma propre gloire. Je peux. C'est ça, il y a le droit, lui. Parce que je suis Dieu. Exactement. Là, toi, tu as fait ça pour toi-même. Ça ne marche pas de même. Donc, quand on examine le coronavirus, la situation, notre souffrance at large, on ne doit pas forcer nos idées sur comment devrait être Dieu. On devrait plutôt dire, non, lui, il est dans une classe à part. C'est pour ça qu'on dit, Dieu est saint. Il est dans une classe à part. Et tout ce qui est à propos de Dieu, c'est très différent de moi. Donc, je ne devrais jamais interpréter ma situation et pouvoir la provoquer ou la pousser sur Dieu. Et plutôt, laisser Dieu interpréter les choses, et c'est nous à se soumettre à la parole de Dieu. C'est à nous de considérer et d'écouter ce que Dieu dit. Et tout ça, Simon, dans l'histoire de la Bible, tu sais, il y en a beaucoup, ça dure quand même des siècles, bien, tous ceux qui ont eu une vision de Dieu ont été littéralement écrasés par la grandeur, la gloire qu'il possède. Alors, attention à l'attitude qu'on a quand on questionne Dieu. Laissons Dieu, je répète, laissons Dieu être Dieu. On a fini le premier segment en disant, gardons-nous une petite gêne parce que Dieu est Dieu. Mais le deuxième segment, c'est encore plus. Reconnaissons que Dieu est saint, qui est dans une classe complètement à part et que nous, là, qui on est? C'est ça. On fait allusion à ce livre-là depuis tantôt. Et à l'émission La Parole vivante, on aimerait ça vous le donner. En fait, Publication chrétienne nous ont donné 100 livres. 100 livres à donner à notre auditoire, donc ça, c'est vous. Si vous êtes dans la région de Québec, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Évidemment, à cause du COVID-19, c'est plus difficile d'aller vous les porter tout ça à l'extérieur, vous l'envoyer, beaucoup de coûts reliés à ça. Si vous aimeriez l'avoir et on vous encourage à vous le procurer, bien, vous pouvez communiquer avec Publication chrétienne, ça va leur faire plaisir de vous le donner. Peut-être vous dites, je suis à Québec, mais les 100 sont partis très rapidement. Vous pouvez aussi vous le procurer à Québec, à la Librairie chrétienne de Québec. Encore une fois, les informations sont à l'écran. Donc, les 100 premiers qui nous appellent dans la région de Québec, on vous le donne. Les autres, on est désolé, mais la situation nous pousse à avoir certaines restrictions. Vous pouvez communiquer avec Publication chrétienne et ça va leur faire plaisir de vous en vendre un. Après la pause, on va parler de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, oui, à entretenir des sentiments, des idées sentimentales par rapport à Dieu, on le voit à propos de la justice, à propos de la sainteté, et aussi à propos de la bonté, je dirais même de la souveraineté. Et parfois, on a de la misère, mais que c'est ça. Ben oui, parce que Dieu est souverain, ça veut dire qu'il règne sur tout, puis Dieu est bon. Donc, si Dieu est bon, pourquoi que ça fait mal parfois? Et ça fait mal pour certaines personnes, souvent, je dirais même tout le temps. Et à titre, pour mettre la table, je veux une petite illustration ici. Imaginez le petit enfant qui est à la maternelle ou en première année, puis lui, il arrive à l'école, puis il dit, bon, ben là, voici comment ça va fonctionner, voici ce que je veux apprendre, voici comment je veux que vous me le montriez. Donc, lui, il a tout son système scolaire pour arriver jusqu'après l'université, jusqu'à son bac. Ça ne fonctionne pas. Le petit gars de 5 ans, là, il lui manque beaucoup d'informations pour savoir premièrement l'information qu'il doit avoir et comment ça doit lui être enseigné. Ça prend quelqu'un à l'extérieur qui vient lui montrer. Et évidemment, là-dedans, il va avoir des tests, il va avoir des apprentissages de différentes façons, il va peut-être avoir des conséquences s'il ne cadre pas dans le système. Donc, on est prêt à comprendre et accepter qu'on nous manque de l'information pour pouvoir comprendre tout le plan global du système scolaire.
Ça pourrait-tu être vrai aussi avec Dieu? Bien, c'est ça. C'est exactement vrai avec Dieu. C'est pas à nous de lui dicter comment il doit manifester sa bonté, comment il doit gérer le fait qu'il est souverain puis qu'il décide des plans. Écoute, dans l'Ancien Testament, tantôt on a parlé de quelque chose en dehors des ondes, mais finalement, j'ai une autre idée. Joseph, dans l'Ancien Testament, ouais, avait été vendu par ses frères. Et un coup qui avait été vendu par ses frères, il a été accusé de viol par la femme de où il était en service. Il a été en prison suite après avoir été vendu. Il était en prison et puis il a demandé de l'aide et puis à un moment donné, il n'en a pas eu d'aide. C'était un drame épouvantable. Et dans cette histoire qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, à la fin, à un moment donné, ce même Joseph, finalement, il a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple, pour l'amener en protection en Égypte, pour lui faire éviter la famine et faire survivre la famille de Jacob. Alors, Dieu, il dit, Joseph, il dit à un moment donné, il dit, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui a orchestré, je le dis dans mes mots, c'est Dieu qui a orchestré cet événement-là pour que je puisse maintenant vous délivrer. Alors, tu vois-tu comment que le Dieu a permis le mal, mais carrément dans un but précis, d'en sortir du bien. Et c'est comme ça. C'est un peu comme on lit dans Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est comme un peu toutes les rivières vont se jeter dans le fleuve. Donc, chaque chose, chaque petite rivière, chaque circonstance, chaque souffrance, chaque bon coup vont arriver pour notre bien. Et là, on dit, ouais, mais ça fait mal. J'en conviens. Est-ce que Dieu a changé? Et nous, on est parents. Quel parent va juste donner à ses enfants ce que les enfants demandent? C'est complètement déraisonnable. Est-ce que je suis bon envers mon enfant lorsque je lui dis « Tu n'auras pas de Ferrari, mon grand, parce que tu as juste 8 ans. » Est-ce que je suis encore bon? Non, c'est ça. Ben oui, je suis encore bon. Dieu est bon. Dieu ne change pas malgré les circonstances. Ouais. Puis les circonstances difficiles de nos vies, ça nous amène à réfléchir sur la vie. Que ce soit l'épidémie qu'on vit maintenant, ça nous amène, ou pour pas dire, nous oblige à remettre en question nos valeurs. Alors, la souffrance va souvent être utilisée par Dieu pour nous amener plus loin. Il y a même un verset dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est ça, c'est le fameux Salomon, l'homme le plus sage du monde. Lui, il dit quelque chose de bizarre. Il dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Es-tu malade, lui? Non. C'est que quand il dit un peu plus loin dans le chapitre, il dit, quand il y a la souffrance, tu réfléchis. Quand que tu souffres pas, tu danses puis tu t'occupes, tu sais, la vie est belle. Alors, la souffrance est utilisée par Dieu même pour nous sonner un peu, nous, les êtres humains. J'aimerais te lire un verset qui amène la souffrance dans le portrait de la bonté. Dans Actes chapitre 2, j'aimerais ça qu'on puisse le lire. Ça nous parle, Dieu, en parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité, excusez-moi, au verset 23. Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'était planifié que Jésus meure sur une croix. La bonté de Dieu est manifestée dans la souffrance. Sa souveraineté est manifestée aussi dans la souffrance. Donc, si Dieu est bon et ne devrait pas avoir de souffrance, Jésus ne meurt pas sur la croix. Et il n'y a pas de salut pour personne. C'est ça. C'est ça. Alors, Dieu a utilisé la pire injustice du monde, un Christ, un Jésus parfait, rejeté, crucifié, mais c'est exactement la voie que Dieu a utilisée pour nous sauver aujourd'hui. Alors, waouh! La souffrance, en quelque part, ça fait vraiment partie du plan de Dieu. Donc, quand j'examine ma vie, mes circonstances, ça fait mal parfois. Et je peux comprendre qu'à la maison, il y a des gens qui souffrent beaucoup. Dieu est en train de faire quelque chose, au même titre que lorsque Jésus souffrait sur la croix, il est en train de faire quelque chose. Dans l'histoire de Joseph, dans l'histoire de l'humanité, Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Et toute chose concourt au bien. Ultimement, je vais être dans sa présence. Ça va être bon. Ça va bien aller parce que je vais être avec lui pour l'éternité. Peut-être je souffre aujourd'hui, mais Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas malgré les circonstances. Dieu est bon. Dieu est souverain. Et c'est notre conception sentimentale de Dieu qui nous fait croire que, à cause que Dieu est bon, il n'y aura pas de souffrance. Au contraire, Dieu l'utilise pour nous amener à lui, pour nous mettre en contact, pour nous faire réfléchir à la vérité et aux réalités qui nous concernent et surtout qui le concernent. Restez avec nous, on continue après la pause. «
Très bonjour à vous. François, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ce qu'on a dit? On a parlé beaucoup. Peux-tu juste nous résumer ça qu'on puisse bien saisir? Bien, écoute, on a parlé au début de la sainteté de Dieu. On a parlé de la bonté, de la souveraineté de Dieu, puis on a parlé de la justice de Dieu. Et on ne peut pas, en tant qu'être humain, re-questionner ou questionner la bonté de Dieu, la justice de Dieu, sa souveraineté, sa sainteté. On ne peut pas faire ça. Ça ne nous est pas permis. Écoute, il y en a qui lèvent le poing vers Dieu, comme le monsieur tantôt que j'ai parlé, que j'avais interviewé. Mais plutôt que de lever le poing, je pense qu'on devrait lever les mains vers lui, plier les genoux, littéralement au sens figuré, pour reconnaître que Dieu est Dieu. Puis que, il y a une expression dans le Nouveau Testament, Paul, après avoir posé une question, un peu, j'appelle question cul-de-sac, Dieu serait-il injuste, c'est la question qui se pose. Et puis il dit, loin de là. Puis là, il dit, le vase dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est le vase, nous sommes l'argile, Dieu est le potier, et Dieu, c'est, je sais que ça, quand je dis ça, là, je perds peut-être quelques amis ici, mais c'est quand même la vérité. Je suis une créature, Dieu est le créateur, et c'est moi qui aurai à rendre compte à Dieu, et c'est pas lui qui a à s'ajuster avec ma petite philosophie de vie. Si c'est moi qui définis Dieu, Dieu sera jamais à la hauteur. Si je laisse Dieu être Dieu, je vais entendre sa révélation qui va me dire « Je t'aime, Simon, c'est pour ça que Jésus est venu. C'est parce que toi, tu es différent de moi. Et moi, je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu fasses partie de mon éternité. Je veux te faire goûter qui je suis. » C'est facile, si je lève le poing, jamais je vais entendre ce qu'il va me dire. Mais plutôt, comme François venait de le dire, si je lève les mains, je vais comprendre que Jésus-Christ, c'était pour moi. Que Jésus-Christ était venu pour payer la dette de mes péchés. Il est venu pour me pardonner. Il est ressuscité justement pour m'unir dans cette vie éternelle-là qu'il nous offre à tous. Un de mes versets préférés, sinon mon verset préféré, c'est dans Romains chapitre 11, et ça se trouve verset 26. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, c'est la seule place que Dieu doit avoir. C'est à lui la gloire, c'est pas à nous. Merci beaucoup, François. Bienvenue. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.